Sans aucun doute, les chardonnerets ont été moins nombreux cette année. Parmi les nombreuses causes de cette diminution, il en est une évidente que j'ai constatée de nombreuses fois, déjà signalée les années précédentes. La prolifération des chats, malgré l'effort de stérilisation de ceux-ci initié par la municipalité. J'en suis à me demander si le remplacement de pelouses et prés par des fleurs de jachère, utilisées aussi pour la rotation des cultures dans mon potager, n'est pas à mettre en cause. Les oiseaux y abondent et les chats à l'affût à l'intérieur démontrent leur efficacité de prédateur. Nourris ou pas, les chats gardent leur instinct. Les graines de quart d'heure fournies par la revue La Hulotte il y a quelques années sont toujours les bienvenues. Image remarquable. Il a plu quelques heures le 15 août dans les Ardennes. Mésange bleu avec les chardonnerets. Les mésanges bleus ne visitent les cardères qu'en présence des chardonnerets. À cette hauteur, les chats ont moins d'efficacité. Septembre. Plusieurs dizaines de migrateurs, sans doute en provenance de Belgique, où ils nichent en abondance, sont présents dans le jardin. À destination des jardiniers, mes salades Saint-Antoine. Race ancienne, laissée en graines, les accueille avec quelques mésanges bleus, pourtant pas intéressés en leur absence. Et toujours le risque de la présence du félin domestique. Devinez ici en arrière-plan. Il y a 2 ans, ils avaient passé l'hiver 2017-2018 dans le jardin où j'avais laissé volontairement
quelques pieds de lavande en graines ainsi que des œillets d'âne. Qu'en sera-t-il cette année ?